Coucou les Sagittaires, aujourd'hui donc je vais faire votre tirage pour avril 2023. Donc le premier paquet représente donc le travail, le second paquet ici représente donc la maison, la vie quotidienne, le troisième les sentiments, l'amour et une carte qui va représenter ce que vous envoie l'univers, votre surprise. Donc le tirage est fait avec l'oracle Versailles débutant que tu peux trouver en téléchargement sur mon site internet en format JPEG ou PDF. C'est un format qui est assez facile pour apprendre à tirer les cartes soi-même. Donc je commence avec le premier paquet qui représente donc le travail. Donc ici nous avons les négociations, la tempête et la réparation. Donc là on pourrait dire qu'au niveau du travail, avec la réparation tempête, il y a comme si en fait on venait réparer quelque chose, quelqu'un, un patron, quelque chose comme ça, venait presque s'excuser pour réparer quelque chose et renégocier un contrat peut-être, renégocier un contrat ou quelqu'un qui partait, là on renégocie le départ. Avec la tempête, c'est vraiment quelque chose qui n'était pas prévu. Peut-être que vous deviez partir et vous n'étiez pas d'accord sur ce qu'on vous devait. Et là, la tempête vient renégocier tout ça. Voilà. Ça peut être aussi un nouveau job là, qui arrive pour quelqu'un. Avec la réparation, il y a quelque chose qui se remet là de nouveau en place et c'était encore pas prévu. Donc il y a des bonnes choses dans tous les cas qui arrivent, quoi qu'il en soit. Donc ça, c'était pour le petit paquet du travail. Ici, donc, nous allons faire maintenant la maison. Donc la maison, la vie quotidienne. Là, nous avons une séparation. Ici, l'abondance. Et là, un pacte. Alors peut-être que vous allez vous séparer quelque chose, vendre quelque chose. Il y a un bien qui va être vendu. En tous les cas, vous vous séparez de quelque chose et ça rapporte l'abondance. Hein. Pour moi, il y a quelque chose qui va se vendre dans la maison. Alors après, ça peut être un véhicule, ça peut être une maison, ça peut être un terrain. Mais vous vous séparez de quelque chose qui vous apporte, qui vous ramène de l'argent. Hein. Donc quelque chose de confortable en plus. Voilà, au niveau des sentiments, nous allons prendre donc ce paquet. Donc nous avons la carte plantée, les nouvelles et le carrosse. Donc pour les personnes qui sont en couple ici, carrosse plantée, on a envie un peu de bouger avec les nouvelles. Vous cherchez quelque chose, on se renseigne un peu à gauche, à droite, pour pouvoir peut-être bouger un petit peu en amoureux, peut-être aussi faire autre chose d'autre part, toujours ensemble, hein, vous envisagez vraiment de faire autre chose. Et pour les personnes là, qui recherchent actuellement quelqu'un, eh bien, il y a quelque chose qui est en route hein, avec le carrosse. Vous avez déjà quelqu'un qui est là. Ça peut être aussi une personne par Internet, hein, avec les nouvelles, c'est aussi tout ce qui est web. Voilà, donc il y a vraiment quelque chose qui se met en place tranquillement. Et planter, là, la carte plantée, on regarde tout, on fonce pas, hein, on ne va pas tête baissée là. C'est quelqu'un qui prend son temps, qui regarde tout ça. Voilà, et pour la surprise des Sagittaires, donc vous avez un choix à faire, les Sagittaires actuellement. Il va falloir prendre une décision. Voilà, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime sur la vidéo et de vous abonner si vous ne l'êtes pas, ça fait plaisir. Je vous remercie, je vous dis à la prochaine fois. Merci, bye bye.